Alors, dans cette vidéo, on va apprendre à combiner, en fait, c'est-à-dire à créer une condition par rapport au code en combinant, en fait, les cases et puis la files catégorie. Pour ce faire, j'ai pris l'exemple suivant. En fait, j'ai 10 annonces. On suppose que c'est des annonces de personnes. Donc, par exemple, de personnes qui recherchent un partenaire, on va dire. Alors là, j'ai 10 annonces. Et donc c'est des annonces, imaginez des annonces de type classique que vous pouvez trouver dans les journaux. Et dans ces annonces, j'ai dans les cases, j'ai les personnes de type féminin, ce qui concerne l'annonce 1, 3, 5, 7, 9. Donc ça, c'est des femmes qui ont écrit cette annonce. Et dans la catégorie masculin, c'est les hommes qui ont écrit cette annonce. Et dans la false catégorie, j'ai créé en fait deux journaux. Donc les annonces 1 à 5 concernent le journal L'Hebdo et l'annonce 6 à 10 concerne le journal de la Tribune de Genève. Alors bien évidemment, c'est des exemples totalement fictifs que j'ai pris, mais c'est juste en gros pour vous donner une idée en fait de l'utilisation en fait de l'utilité de pouvoir combiner en fait dans les codes des conditions pour les catégories de fichiers et les cases. Alors tout simplement, je vais aller dans Settings et ici je ne vais ni choisir unconditional ni case ni false category mais both. Donc both ça veut dire les deux en même temps, ça signifie la false catégorie et les cases. Voilà, donc je vais cliquer là-dessus, je dis OK. Et maintenant, supposons que je souhaite obtenir l'avis positif des hommes qui ont écrit uniquement sur la Tribune de Genève. Donc, je vais cliquer sur Files catégorie. Et là, je vais choisir le journal de la Tribune de Genève. Donc, ça, je sélectionne celui-ci. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape consiste à aller dans Case et choisir les hommes. Donc voilà, donc là j'ai la Tribune de Genève et j'ai choisi les hommes. Et maintenant je lui dis sors-moi tous les avis positifs des hommes qui ont écrit sur la Tribune de Genève. Et j'en ai qu'un seul. Et je peux également sortir les avis de vieillesse. Et là j'en trouve un. Et ainsi de suite. Donc par exemple là voilà, donc j'ai cliqué sur mariage et je n'ai aucun code associé avec ça. Donc dans mon exemple fictif, ça voudrait dire que il y a aucun homme de la Tribune de Genève qui parle de mariage dans son annonce. Et je peux changer les conditions. Donc cette fois-ci, je lui dis sors-moi uniquement l'avis de femmes qui ont écrit, qui ont l'avis positif de femmes qui, enfin, les avis qui concernent le mariage de femmes qui ont écrit dans le journal de l'Hebdo. Donc je sélectionne Hebdo et ensuite je sélectionne dans Case féminin et dans Code, je retourne dans Code et je sors mariage. Et là, effectivement, donc je vois que dans l'hebdo, il y a une femme qui a écrit un texte qui concerne le mariage. Voilà, donc je pense que vous avez compris l'utilité de pouvoir combiner, en fait, de pouvoir justement créer des conditions dans le résultat des codes. Et n'oubliez pas, par contre, à la fin de retourner et de mettre unconditional si vous souhaitez réobtenir tous les codes. Donc si je mets unconditional et que je retourne dans mariage, là vous voyez qu'ici je n'ai aucune condition. Donc à chaque fois, encore une fois, j'insiste un peu là-dessus, mais n'oubliez pas de retourner dans unconditional parce que si vous restez sur une de ces trois catégories en dessous, vous risquez de ne pas avoir tous les résultats et ça peut être très embêtant si justement votre but est de ne pas avoir de conditions dans les codes. Il faut savoir que ce que je vous ai mentionné par rapport au case, on peut en fait l'appliquer dans la catégorie des codes. C'est ce qu'on va voir par la suite. On va voir à quoi sert non, pardon, les attributs. Donc voilà, donc les attributs, c'est la seule fonction qu'on n'a pas encore vue. Alors on va justement voir à quoi sert la fonction des attributs. Et justement, on pouvait très bien mettre des variables sociodémographiques dans les attributs, mais j'ai commencé à préférer par vous montrer la technique en passant par les cases, tout simplement parce que les cases permettent en fait de créer des conditions dans les codes en utilisant l'interface graphique. Il est exactement possible de faire la même chose, donc c'est-à-dire de sortir des avis positifs de femmes ou d'hommes en passant par la catégorie attributs.
Mais c'est justement là que ça se complique un peu, parce qu'on devra utiliser la ligne de commande pour créer nos requêtes. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous donner des exemples très précis et très clairs par rapport à ça dans les vidéos suivantes. Là, je pense qu'à l'heure actuelle, si vous avez suivi toutes les vidéos, vous avez déjà un solide bagage en ce qui concerne la vidéo, enfin le logiciel RQDA. Et la suite des vidéos sera notamment des fonctions avancées du logiciel que vous allez pouvoir apprendre. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez suivi toutes ces vidéos, encore une fois, vous allez pouvoir bien travailler et utiliser beaucoup de choses intéressantes de ce logiciel. Merci.